Elle essayait de retrouver ses imaginations nocturnes. Au reste, il n'y avait guère plus de bruit dans Argelouse. Et l'après-midi n'était guère moins sombre que la nuit. En ces jours les plus courts de l'année, la pluie épaisse unifie le temps, confond les heures. Un crépuscule rejoint l'autre dans le silence immuable. Mais Thérèse était sans désir de sommeil, et ses songes en devenaient plus précis. Avec méthode, elle cherchait dans son passé que des rencontres, des visages oubliés, des hasards, des bouches qu'elle avait chéries de loin, avaient rapproché de son corps innocent. Un être était dans sa vie, grâce auquel tout le reste du monde lui paraissait insignifiant. Quelqu'un que personne de son cercle ne connaissait. Une créature très humble, très obscure. Mais toute l'existence de Thérèse tournait autour de ce soleil visible pour son seul regard et dont sa chair seule connaissait la chaleur. Ce corps contre son corps, aussi léger que son corps, l'empêchait de respirer. Mais elle aimait mieux perdre le souffle. Elle se lève, pieds nus, ouvre la fenêtre. Les ténèbres ne sont pas froides. Mais comment imaginer qu'il puisse un jour ne plus pleuvoir ? Thérèse fait le geste d'étreindre. De sa main droite, serre son épaule gauche. Et les ongles de sa main gauche s'enfoncent dans son épaule droite. Le décor se défaisait, devenait moins précis. Il ne restait qu'une charmille, un banc devant la mer. Thérèse, assise, reposait sa tête contre une épaule, se levait à l'appel de la cloche pour le repas, entrait dans la charmille noire, et quelqu'un marchait à ses côtés, qui soudain l'entourait des deux bras, la tirait. Un baiser, songe-t-elle, doit arrêter le temps. Elle imagine qu'il existe dans l'amour des secondes infinies. Elle l'imagine. Elle ne le saura jamais.